Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à la une de ce journal. Encourager l'investissement et l'entrepreneuriat pour relancer l'économie locale et accompagner le développement des régions. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales réitéré ce vendredi depuis Soukharas. Les nouvelles mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2018, des taxes et des impôts sur lesquels on reviendra dans ce journal. On parlera aussi de l'agriculture dans le Grand Sud. Nous serons à Fougaretzoua, dans la région d'In Salah, où les agriculteurs ont opté pour des cultures stratégiques malgré les nombreuses difficultés. C'est l'heure de la prière d'El Aïcha. On reviendra juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On commence donc ce journal avec le deuxième jour de la visite à Soukharas du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Nordine Bedoui a inspecté plusieurs projets à caractère socio-économique, estimant que les préoccupations des citoyens sont au centre de l'attention du président de la République qui a initié un fonds spécial pour booster le développement dans les régions des Hauts Plateaux et dont Soukharas va en bénéficier. Amel Bouarba. Le Fonds national de soutien aux projets de développement dans les Hauts-Plateaux, instauré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, permettra de booster le développement local dans cette wilaya de l'Est du pays. La vision de développement prônée par les pouvoirs publics conformément aux orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika commence par le développement au niveau local pour atteindre un développement national de grande envergure. Ainsi, Soukharas va bénéficier du soutien du Fonds national des Hauts Plateaux que le président de la République a décidé de réactiver. De même, cette wilaya va bénéficier d'un programme d'accompagnement destiné aux régions frontalières. L'investissement et l'entrepreneuriat sont donc deux axes cardinaux dans le développement national et local. L'État mise sur la jeunesse pour la relance de la croissance économique à travers les nombreuses mesures de soutien et de facilitation destinées aux investisseurs.
Il est de notre devoir en tant qu'autorité locale de contribuer au changement des mentalités afin de considérer les investisseurs et notamment les jeunes comme des créateurs de richesses au niveau des communes, ce qui permettra aux habitants de la région de bénéficier de ces opportunités et de postes d'emploi ainsi que d'une dynamique économique qui aura des retombées sur toute la région. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le président de la République lors de la célébration de la semaine de l'entrepreneuriat, estimant que la jeunesse algérienne est un capital précieux pour l'Algérie et un potentiel inépuisable, en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat sur lequel mise l'Algérie. Nourdin Bedoui, qui a inspecté plusieurs projets à caractère socio-économique à Soukharas, a estimé que l'intérêt du citoyen doit primer sur toute autre considération. Il a appelé les autorités locales à soutenir les investisseurs et impliquer les jeunes dans le développement local de leur wilaya. Et à propos du rendez-vous électoral du 23 novembre, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a réitéré à Soukharas la garantie de transparence et de neutralité totale de l'administration. Nourdin Bedoui. Au moment où nous nous apprêtons à boucler la campagne électorale, je réitère notre détermination à accompagner toute cette opération dans le cadre des valeurs de notre Constitution et les orientations de Son Excellence le Président de la République pour assurer sa transparence et sa crédibilité. En parallèle, nous demandons à nos partenaires politiques dans cette wilaya de respecter les règles de la compétition et à faire prévaloir l'intérêt de la nation au détriment de toute autre considération personnelle ou partisane. Les élections pour le renouvellement des APC et des APOI, c'est donc dans une semaine. Le vote débutera, cela dit, 72 heures avant dans certaines wilayas du Sud, à l'image d'Ilizi, où tout semble fin prêt pour la réussite de ce rendez-vous. Jazia Bayou. À quelques jours du rendez-vous électoral, tout est fin prêt à Ilizi pour assurer le bon déroulement des élections locales qui débuteront à l'image des autres wilayas du Sud, 72 heures au maximum avant la date initiale du scrutin, à savoir le 23 novembre prochain. Le corps électoral à Ilizi compte plus de 47 000 votants répartis sur 155 bureaux de vote. Nous avons enregistré 47 917 nouveaux votants, un corps électoral important pour la wilaya d'Ilizi. Les préparatifs mis en place permettront d'assurer le bon déroulement des prochaines élections. Pour ce faire, la wilaya d'Ilizi a mobilisé plus de 900 encadreurs répartis sur une trentaine de centres de vote pour veiller à la réussite du rendez-vous électoral. Nous avions plusieurs défis à relever, ce qui a nécessité la mise en place de plusieurs procédures. Et le plus grand défi est sans conteste celui relevé par le ministre de l'Intérieur et qui consiste à assainir les listes électorales. Un travail colossal à travers tout le territoire national. Récemment, la commission de la circonscription administrative d'Inamenas a été installée. Les différentes cellules de cette commission effectuent des réunions périodiques pour évaluer les multiples phases des préparatifs précédant l'opération de vote. Les préparatifs pour le prochain vote sont donc bel et bien assurés par les autorités locales. Reste maintenant l'accomplissement du devoir électoral. Le projet de loi de finances pour 2018 sera soumis au vote des députés de l'Assemblée populaire nationale le 26 du mois. Le projet qui maintient le dispositif de la solidarité nationale prévoit aussi une série de mesures fiscales. Les explications de Mona Nawal Hamoudi. L'impôt sur la fortune qui vient substituer à l'impôt sur les biens, approuvé par la loi de finances de 1993, est une des mesures introduites dans la loi de finances 2018 afin d'élargir l'assiette fiscale et pallier à la chute des recettes fiscales pétrolières.
Le gouvernement algérien envisage de recourir à l'impôt sur la fortune qui sera appliqué sur les personnes détenant un patrimoine d'une valeur supérieure à 50 millions de dinars. Et ce, en vue de consacrer plus de justice entre les opérateurs économiques et de solidarité vis-à-vis des différentes franges de la société. Pour ce faire, il sera procédé à la collecte des informations à propos des citoyens concernés par cet impôt. D'autre part, des lois seront votées pour conforter le droit au contrôle par les services concernés. Des mesures qui ont suscité un long débat entre les membres du Parlement. Les parlementaires ont souvent réclamé l'application de l'impôt sur la fortune et qui permettra de générer plus de revenus au trésor public. Je pense que cette mesure intervient au moment opportun. Nous sommes pour l'impôt sur la fortune, mais nous restons sceptiques quant au mécanisme de son application. Nous demandons donc à ce que cette mesure soit appliquée dans la transparence totale. Avant de concrétiser cette mesure, il faut qu'il y ait une sérieuse préparation. D'abord, en vue de moderniser le secteur et de définir de manière exacte les personnes concernées par cette loi. Pour le ministre des Finances, faire face aux chutes des prix du pétrole passe également par la révision des prix des produits énergétiques. Une nouvelle taxe sera donc applicable sur les produits pétroliers. En Algérie, le prix du carburant est considéré comme l'un des plus bas au monde, y compris dans les pays producteurs de pétrole. La consommation globale de carburant est de près de 14 millions de tonnes. 23% de cette quantité, soit 3,3 millions de tonnes, sont importées, occasionnant ainsi une dette de 900 milliards de dinars au trésor public. De ce fait, le gouvernement procédera à l'augmentation des prix du carburant en imposant une taxe sur les produits pétroliers, ce qui permettra la rationalisation de la consommation de ces produits. L'application de cette taxe affectera le pouvoir d'achat du citoyen, car elle concernera également tous les produits dérivés. Les débats autour du projet de loi de finances 2018 se poursuivent. Les députés appellent à trouver des solutions économiques, à même de générer des revenus au trésor, au lieu de recourir à une augmentation des prix des produits énergétiques, laquelle pourrait affecter le pouvoir d'achat du citoyen. Le dégel des projets de réalisation des stations d'épuration de Tnes et de Chtiya, annoncé hier depuis Chlef par le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, effectuait une visite d'inspection de nombreux projets dans la wilaya. Camélia Mellel. Le secteur de l'hydraulique dans la wilaya de Chlef est en évolution, notamment dans la distribution de l'eau potable. De nombreux projets sont réalisés, entre autres la station d'épuration des eaux usées de Chtiya et celle de Tnes pour la protection du littoral. La mise en service de cette station à Tnes couvre les besoins de la wilaya à plus de 90%, ce qui contribue à économiser les eaux souterraines estimées à près de 100 000 mètres cubes jour. La surface des terres irriguées dans la wilaya de Chlef a augmenté de 15 000 hectares en 2000 à 25 000 hectares en 2017, avec une prévision de 55 000 hectares à l'horizon 2020, selon les dires du ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib. Cette quantité importante sera destinée dans le futur à l'irrigation des terres agricoles et à l'extension de la superficie irriguée, d'autant plus que la wilaya est une région agricole par excellence. Depuis Chlef, le ministre des Ressources en eau a annoncé le dégel des deux projets de réalisation des stations d'épuration des eaux usées dans les communes de Tnes et Chtiya. Dans le Grand Sud, l'agriculture connaît ces dernières années un renouveau certain. Insalah fait partie des régions les plus actives, notamment dans la mise en valeur des terres et à travers les contrats de concession. Si le palmier dattier reste maître des lieux, les agriculteurs optent pour la diversification de leur culture malgré certaines difficultés. Badia Amani.
100 hectares et la surface agricole d'un tas bénéficié à Abdraouf Ben Hamadi dans la commune Fgarzoua dans le cadre des contrats de concession. Encouragé par l'introduction de l'irrigation par pivot dans les wilayas du sud, cet agriculteur a consacré 50 hectares à la culture du blé dur. Sa production de la dernière campagne a été estimée à 40 quintaux à l'hectare. Des résultats probants au vu des difficultés rencontrées par les agriculteurs. Notre production est achetée par l'État, contrairement aux autres produits agricoles dont la commercialisation pose problème. Mais le point le plus proche pour commercialiser notre blé est la coopérative des céréales et des légumes secs qui se trouve à 400 km, plus précisément au niveau de la wilaya d'Adrar, ce qui représente une difficulté pour nous. Nous demandons donc aux autorités et à l'État de nous doter d'un centre ici. Nous avons des problèmes liés à l'électricité rurale, destinée notamment au forage et à l'irrigation. Les investisseurs attendent des incitations parmi lesquelles figure l'électricité. Vous savez sans doute que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et même le programme du gouvernement a donné une orientation pour l'exploitation de l'énergie solaire. Nous encourageons donc ces investisseurs. Notre objectif cette année et pour l'année prochaine, c'est d'atteindre 1600 hectares de façon graduelle en introduisant les énergies renouvelables. C'est la seule difficulté, autrement l'eau est disponible. Les surfaces existent, de même qu'un accompagnement de l'administration. La phoniciculture à In Salah revêt une importance capitale. Non seulement elle est considérée comme une source de revenus, mais un patrimoine à préserver et à développer davantage. Il est aussi nécessaire de s'adapter aux évolutions dans le domaine agricole, en prenant aussi en compte les cultures stratégiques. Nous comptons faire une extension des superficies agricoles à d'autres cultures stratégiques, à l'instar de la pomme de terre et de la tomate. Nous avons eu une rencontre avec un investisseur privé dans le cadre d'un partenariat. Ce même investisseur a fourni des semences aux agriculteurs et leur a garanti la commercialisation de la tomate qui sera destinée à l'unité de transformation à Adrar. Des perspectives prometteuses s'offrent aux agriculteurs de la région de Tedoukelt grâce au soutien et à l'aide apportée par l'État au secteur de l'agriculture. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d'une embuscade tendue à Djanet, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté aujourd'hui 19 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 21 détecteurs de métaux, 6 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et un téléphone selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN annonce l'arrestation hier à Batna d'un élément de soutien au groupe terroriste par un détachement de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'AMP en collaboration avec les éléments de la Sûreté nationale ont intercepté à Tamanrasset et Ingezem 15 personnes et saisi 10 détecteurs de métaux, 5 marteaux piqueurs, 6 groupes électrogènes ainsi que des détonateurs, des explosifs et 20 000 litres de carburant. Tandis que des gardes frontières à Sokharast, Bessa et Taraf ont mis en échec des tentatives de contrebande de près de 17 500 litres de carburant. Par ailleurs, des tentatives d'émigration clandestine de 13 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale ont été déjouées à Oran. Le ministère de la Défense nationale qui annonce aussi que 6 contrebandiers et 27 orpailleurs ont été interceptés hier par des détachements de l'AMP à Tamanrasset et In Salah. Plus de 800 000 comprimés psychotropes ont été notamment saisis lors de ces opérations.
décédé dimanche à l'âge de 85 ans et rapatrié hier vers l'Algérie. L'ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, Ammar Rouaï, a été accompagné ce vendredi à sa dernière demeure au cimetière d'El Alma, sa ville natale. En plus de sa famille et de ses proches, le ministre de la Jeunesse et des Sports, les autorités locales et des figures du monde du football et du sport en général ont assisté à l'enterrement. Le corps de l'artiste peintre Mesli Choukri, l'un des fondateurs de la peinture moderne en Algérie, décédé lundi dans un hôpital parisien à l'âge de 86 ans, a été rapatrié donc ce vendredi avant l'inhumation qui aura lieu demain. Samedi à Tlemcen, un dernier hommage lui a été rendu aujourd'hui en milieu de journée par des artistes, des amis, des étudiants et des amoureux de la peinture au Palais de la Culture à Alger, où sa dépôt a été exposé. Un hommage au plasticien, à la stature internationale, un pilier de la peinture que l'Algérie vient de perdre. Football, 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Comme vous avez pu le suivre sur votre petit écran, le Mouloudia d'Alger a battu le DRB Tejnent sur le score de 2-1, alors que le CS Constantine consolide sa première place au classement général après sa victoire face au Mouloudia d'Oran, 1-0. Deux autres matchs ont été joués également cet après-midi et ont vu l'USM Belabès l'emporter à Alger face à l'USM Al Harrach sur le score de 2-1 au moment où la JS Kabylie a réussi à tenir en échec l'OM Medea 0-0. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Encourager l'investissement et l'entrepreneuriat pour relancer l'économie locale et accompagner le développement des régions. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a réitéré ce vendredi depuis Soukharas. Les nouvelles mesures fiscales du projet de la loi de finances pour 2018, des taxes et des impôts sur lesquels nous sommes revenus dans cette édition. Nous avons parlé aussi de l'agriculture dans le Grand Sud. Nous étions à Fougarat-Zoua, dans la région d'Insalah, où les agriculteurs ont opté pour des cultures stratégiques malgré les nombreuses difficultés. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h. Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fela Abraz. Passez une très bonne soirée.